Tout stuff 625 sur le PTR, Oh c'était un autre punaise. truc. Oh Ah non, punaise. mais ça a l'air vénère. Et tu vois les cacs, même les cacs marteau par exemple. Le mec, il lâchait ses deux attaques, et ensuite il reculait et il attendait. What the fuck, quoi. C'est cure à mort, Ouais, c'est quoi. ça. Et tu vois les affixes, ils ont trois affixes sur la gueule, les mobs, un mob, le mini-boss de l'entrée. Et enfin, ouais, ça a l'air vénère. Trois affixes et. Et il y avait deux affixes qui étaient niveau 2, quoi. Punaise, quoi. Bon, allez, je vais faire un. Bah, là, j'ai lancé le stream sur Twitch. Tu vas le voir d'ici quelques minutes. Et tu pourras regarder d'un coup d'œil. S'il faut, je vais te recruter à Blood Bowl. Ça te Je changera. te veux dans mon équipe. Oui. Plutôt que je finisse mal sur Diablo. Non, Diablo, je m'en approche pas. J'ai New World pour ça. Hop, fausse manip. Qu'est-ce Fausse qui se manip. passe ici? Ça fait plein de tut 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 tut. Non, c'est moi qui fais une bruit. Je vais bouger de Chan et je vais faire un mini FK avant de commencer. Tu me diras au revoir quand même. On verra au patch. S'il faut, les clés vont tomber du ciel. Et ça sera Oh, les sympa. clés vont être tellement moins chères. Bisous.
Et salut Artag. Alors j'attends l'adversaire. On va chercher la bière. Oh. Alors, où c'est qu'il en est mon adversaire? J'espère que ce sera pas un faux départ. Oh. Et Kaz, c'est pas toi qui avais battu mes orques en playoff, à la Coupe des Crevards? Non, c'était la coupe des crevards. J'avais des orques qui avaient gagné les 9 matchs et arrivé en premier playoff, j'avais été battu à plate couture. Il me semblait que c'était toi. Ah, du beau jeu à ce point-là. Du beau jeu à base de crampons. Alors. Attends, je vais vérifier que je ne me sois pas trompé quand même. Aujourd'hui vers 16h30, c'est ça. Je me suis fait exclure 4 fois. Oui. Du talent, on dit pas de la chatte, on dit du talent. Bon. Même le troll a aggro l'arbre, c'est dire punaise. Oh, quelle violence. Quelle violence. Donc là, sur ce match. Alors. Ah oui, j'ai mon. J'avais un pontonnier avec plus en mouvement qui est mort. Ah, mais j'ai eu. Ah non, j'ai eu qu'un mort. Je pensais en avoir eu plus. Cette équipe, elle a souffert. Trois défaites. Ah, j'ai perdu. Ça, c'était Artag. Pareil, je trouve ça des nains, ça, sûrement. Ah, les nains aussi, mon. Ah oui, avec un touchdown complètement dingo, je me rappelle. Et après, j'avais. Ah, c'est trois défaites d'affilée, quoi. C'était toi. Ah oui, c'était toi. Mon magnifique plus en mouvement. Donc là, l'équipe est encore jouable. Est encore jouable, ouais. Donc je disais, je préfère avoir le plus en force sur la parade que garde à choisir.
Parce que du coup, ça monopolise deux gains. Avec parade, tu peux t'échapper. Il y a des trucs à faire en fait. Avec plus un. Et là, mon adversaire. Et très bon résultat. Très très bon résultat pour des ogres. Donc, l'ogre plus en mouvement porteur de balles. Deux esquives en force. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Tacle plongeant, c'est un classique. Un double pour avoir une relance. Ça baisse la TV, ça c'est très très bien. Et ramasseur de balles ici qui sera pas là heureusement. Donc vraiment une équipe très très sympa. Très sympa d'orc. Très sympa d'orc. Voilà, tu vas chercher les gardes. Il faut essayer de faire un petit double. Un petit double et là t'es bien. Là t'es super bien sur les ogres. En plus il a 6 ogres. 6 ogres en 5 matchs. Avec 2 relances. Il a dû commencer à 2 d'entrée. Le double ça a dû bien l'aider. C'est pas mal, hein. Très bonne équipe d'ogre. Ça va être très compliqué. Donc moi, je vais avoir 42 plus. Ouais, 40, 42 plus. Ça fait 60. 60 et 180. Ouais, ça, on peut aller chercher le pot de vin, quoi. On peut chercher le joueur vicieux au pot de vin, le grand classique. Ou alors, carrément, le sorcier qui peut vraiment faire la différence. À voir. Et il y a un ogre qui semblait un peu fragile, me semble. Ouais. Voilà. L'ogre avec 8 en armure. Celui-là, faut essayer de me le faire. Le problème, c'est que j'ai que 3 intrépides. Et ça va être très compliqué. Je peux très très vite me faire stopper. Du coup, je serai obligé de taper à peut-être 2 dés rouges. Peut-être obligé d'esquiver. Et 7 en armure. Hein. Donc 7 en armure, même les 8 en armure. Avec des ogres, ça peut très très mal finir très vite. Là, pareil, tu fais un coup de lutte. Derrière, tu te fais cramponner par les snopes. En sachant qu'il a du banc. Donc là, ouais, il joue à plus 3. Il a du banc pour cramponner. Ça peut très très vite mal tourner, quoi. Mais ça sent quand même le lapin. Là. Alors il m'a demandé ce matin si je pouvais vous jouer à 16h30. Et ça fait 10 minutes. Ouais, j'aurais dû faire un message pour confirmer s'il venait. Ça va. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se regarder vite fait le match d'Artag qui me roule dessus en attendant? Ah, attends, peut-être que je l'ai là. Historique. Au joueur vicieux, t'as pas besoin chez les ogres. C'est vraiment un double gâché. Ah, c'était pas mal, là. Les gobelins étaient bien protégés. Ouais, c'est ça. Non, il n'y avait pas besoin de lui. J'avais
J'avais déjà assez en force. Ça a été le seul moment de doute d'Artag après. Après ça a été le rouleau compresseur. Là, il recule, il était pas rassuré. La petite châtaigne. Une équipe avec deux gobelins, je rigolais déjà au début. C'est parti. On peut taper là. On prend une cage ici. On prend une cage ici, c'était pas mal. Je me suis enfermé. Il y avait qu'un dé, j'aurais dû en avoir deux. Là, je me suis un peu enfermé déjà. C'était pas bien joué. Du coup, ça me poussait à repartir par là. J'aurais dû laisser plus de gens sur ce côté pour laisser une option. Avancer par là et choisir de quel côté je partais. C'est vrai que t'as pas de garde. Comme t'as pas de garde, c'est intéressant. Ouais. Tac, tac, tac. Alors, le plan parfait, c'était ça. Ça, et je te fous dehors. Salut Scrip. J'attends mon adversaire, mais j'ai peur. Ouais. Et du coup, là, je me retrouve à un dé. Du coup, je suis obligé de faire le tour. La défense est bonne. De monde, j'aurais pu traiter une transversale. Parfait, je peux repasser du monde. Ah, ping, oui, c'est Uber qui m'a ping, je l'ai reping tout à l'heure. Bon, il m'a oublié. C'est une rediff qui vaut le coup. C'est une rediff qui vaut le coup. On voit du pétillement au troll, Artag est complètement en folie. Hop, un petit coup de châtaigne. Alors que non, je l'aurais mis là, lui je l'aurais mis là, t'aurais pu taper au troll. Ah, sympa les protons, mais j'en bave, hein. Sur cette ligne j'en bave. Ça rigole, 0. Hop, le 3D au troll. Ah, y a toute peur que je repasse par là, mais normalement c'est fermé. Ouais.
je crée le turnover pour éviter des problèmes ici. Oui. Monsieur Orc, ouais. Orc mort-vivant. Ah bah oui. Hein. Le ballon, il sait pas ce que c'est, quoi. Faut vite que j'avance avant que les mecs se replacent. Je repars sur du 1D. J'ai de coller. J'aurais peut-être pu me replacer là. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des gobelins, Okay. Hop, ça se replace loin. Ah oui, c'était le match où ça pétinait en petit en voilà. Il n'y avait pas d'arbitre. Il n'y avait aucun arbitre. Ça s'est pas utilisé en arrière. Et ça pour Flash. Très, très compliqué. Plus ça passe, plus ça passe. C'est bon, il arrive, Hubert. C'est bon, il arrive. Il arrive. Bon, on va espérer que ça se passe pas trop comme ça non plus. Ah, ça y est. Alors, est-ce que l'adversaire est prêt? Ah, il n'est pas prêt. Si. Alors, pot de vin plus un joueur vicieux, on est sur du 190 normalement. Et sinon, sorcier. Ah, j'ai bien envie de prendre un joueur en plus. J'ai bien envie de prendre un joueur en plus. 240. Oh, 240, on peut faire des choses. Ah, on a elle qui est marrante aussi. Ah, on a Zeg la bête. Ah mais là c'est vrai qu'on est des humains quand même. On est des humains, faut. On a la griffe un peu chère. Mmh.
grand classique. Hein. Le grand classique. Le grand classique, pour ne pas changer. Et sinon, on avait Sorcier Pot de Vin, qui était pas mal aussi. Bonne tête de champion. Hein. Ah, tout ça avec la mâchoire carrée. Je sens que c'est une putain de mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq, je viens là. Alors l'idée, Iblis là, il colle là, et va venir coller là. Iblis là, il vient coller là. On a l'option crampon direct. Crampon direct, mais je pense que lui va me servir quand même. On va plutôt le garder pour attaque. On va plutôt le garder pour attaque. On va voir. Grosse distribution de 3D. Ah, c'est un tacle plongeant aussi. Trois D ici. Ah, pas lui en porteur de balle. Ah, est-ce qu'il va en force en porteur de balle? D'accord. Ah non. Globnar en porteur de balle. Oh, les relances, ils aiment bien. Il faut recouvrir la balle. Oh, une bonne option. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok.
part sur du 2D. On part sur du 2D du coup. Voilà, Parada, on va l'utiliser un paquet de fois. On tape avec l'agilité? Intéressant ça. Ok, on couvre la balle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit pour frapper. Avec le plongeon, je vais là, je vais souffrir. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui ramasse. Celui qui ramasse ou bise d'abord? Là, on peut fermer l'axe, c'est pas mal. Alors l'idée, je me mets là et je me mets là. Ok, ça c'est bon. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal de lui faire mal. Ça voudrait dire soutien ici. Il faudrait qu'il fasse un soutien pour taper. Sinon il va coller. Tac tac. Mais ça me libère. C'est pas mal aussi. Yeah!
Allez, les bretos, pour la dame. Eh oui, pour la dame de la forêt. Venir là, le chien. Allez, hop, installe-toi. Tac, tac. Ici. C'est un choix. Ah, ça, c'est un choix difficile. Alors, ça réfléchit dur là. Ça réfléchit dur. Sur un petit blitz. Oula, oula, attention. Attention le misplay. On part sur un petit 3D. Protège la balle. Il faut frapper. Trop cher, trop cher. Il n'y a qu'une garde, c'est lui. On s'en va. Intéressant ça. Attention de ne pas bouger de lui. Sinon il va se passer des gros trucs dangereux. Il y a moyen d'aller coller un tacle. Il y a peut-être moyen d'aller coller un tacle là-dessus. Peut-être moyen de faire un truc sympa. Il y a peut-être moyen de faire un coup de crampon aussi. Ce qui pourrait être sympa. On partirait sur du 1D ici. 1D ici. Et piste là-bas. Si je me rate, je me fais sortir. Compliqué. Ça, 1D. On va fermer la cajounette. Ça serait bien de faire ça. Ça serait bien de faire ça. Un dé, crampon. Un dernier crampon. On va revenir lui par là.
Action de blitz, c'est quand même assez compliqué. L'option de blitz peut être pas mal si on arrive à cramponner. En armure. Non, c'est pas lui. C'est qui a eu ton armure? C'est lui qui a eu ton armure. Ok. C'est avec lui du coup. C'est avec lui. Blitz peut venir jusque là. Ouais, ça s'observe pour l'instant, ça s'observe. Protège bien, ça s'observe. C'était quoi le compo? Ça lock. Tac, venir là. Sur un 3D. Ouh, ça découvre là. Ouh, ça découvre. Protège. À quand même 6 ogres, hein. À quand même 6 ogres, c'est pas facile. Oh putain. Là c'est cadenassé. Là c'est cadenassé, y'a pas de. Il y a la garde. Il y a la garde, on peut rien faire, on peut rien faire.
On peut rien faire. Garde. On peut rien faire ici non plus. Compliqué. On peut tenter un but slam, ça sert à rien. Les mecs vont passer en force. Bon, bah ça va être la prise de risque. Hein. La prise de risque à 2 dés rouges. Ou à 2 dés 1 dés. 2 dés 1 dés. Ça fait un petit peu trop loin. Il y avait un 5 quand même. Bon, la blessure est un aussi. C'est pas grave. Plus que de relance, plus que de relance, force économisée. Ploum. Passage. Ploum ploum, le passage. Un petit 3D ici. Hein. Petite créature. Cette violence quoi. Aïe 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 aïe. Ah non, que moins un. Ah que moins un. J'avais cru que j'avais une sortie. Attendez. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Ouais, on s'accroche, Kaz, on s'accroche. Pour l'instant, ça joue très bien niveau. Ça joue très bien, ok. On va tenter un petit 2D. Il faut pas taper, il veut juste le bloquer. Il roule, Bobo. Ah, on va tenter un petit coup de crampon. Bizarre ça. Non. Ouh, Blitz sans défense. Il a 3 relances, ouah, ça devrait aller. Ça se sort bien, ça se sort bien. Ok. Du coup, il va où le petit? Il va là avec tac le penchant qui le protège. Ouais.
J'ai un créneau là. J'ai un créneau. Cette équipe ne veut pas. Cette équipe, elle ne veut pas. Cette équipe, elle ne veut pas. Elle ne veut pas réussir. Bon bah, si elle décide sur le port de balle, t'as rien. Ça va être compliqué pour la suite. Hein. Parce que la punition va être terrible. Paf, pif, paf, pouf, paf, paf, paf. Ouais, est-ce que j'aurais dû reculer? Ouais. Là, si ça se passe bien pour lui, il va me coller le tackler. Et ça va devenir très compliqué. Là. Paf de dé ici. Paf, paf. Glisse. 3 relances, il m'en reste plus qu'une. Il m'en reste plus qu'une, faut que je la garde. Faut que je la garde au chaud. Deux dés rouges du début. Double crâne, peut-être pas dû relancer. On peut avoir 3 dés. J'ai pas vu le jet d'armure. Ah la vache. Le jet d'armure, le mur était merdique. Ah, ça sent pas les gros dés sur ce match. Ah, ça c'est bien. Ça c'est moins bien. On a moins 2. Moins 2, 0 sortie. Ah, ça va être dur. Boum. Boum. Glisse là, viens là. Se promène par ici. Et il est bien. Normalement, il est bien. 4 tours. Il peut prendre un peu plus de temps pour repasser ses bonhommes. Il a plein d'options. Il a plein d'options. C'est un tour difficile pour l'ogre. Un tour très difficile. C'est un tour cerf-volant qui peut m'intéresser, c'est vraiment maintenant. Là, si je tape, il vient ici. Je pourrais pas le blitzer. Si, s'il vient là, je pourrais le blitzer. Pour l'instant, j'ai un créneau de blitz. Ok, il est couvert par lui. D'accord. On va commencer à vous décaler là. Vous décaler là avec un petit coup de crampon, peut-être. Il y avait 2 dés. Il y avait le dé juste là. Si relevez lui, ça faisait 9, 10, 11. Attends. 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, ouais, cerf-volant. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça. T'avais pas assez.
Si bien là j'ai un blitz. Ok. Ok, j'ai une option de blitz. J'ai une option de blitz. J'ai une option de blitz que je vais prendre évidemment. Sans le sort. On est sur du 1D. Ça lui fait 2 en force. Et là c'est 3D. Et là c'est 3D. Allez, on y croit. Ce coup-ci c'est la bonne. C'est le turborien. C'est le turborien. Encore 3D qui nous attendent. Ah joli. Ah très joli ça. Très joli ça. Alors le tact il est là. Il va se faire taper. Très joli la longue glissade compris. Très joli. Très joli utilisé. Bon, bah ça sent le mec qui va s'enfuir hein. Alors, what the fuck, ça, ça marche ici, lui se remplace. Allez. Le plan secret, c'est ça. Évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. Et ça, on s'en fout. Le bon vieux chef. Poum poum. Allez, petit fourbe. Je vais faire des cauchemars avec lui. Faire des gros cauchemars. De relance, même avec tact ça peut esquiver. Esquiver tranquillou. Il n'y aura pas besoin. Il veut passer comme ça. Hop, tiens, ils sont à la sortie. Ouais. Est-ce qu'il veut rien? Il a peur de lui, ouais, normal. Normal, il a blocage. Alors, est-ce qu'on tape ou est-ce qu'on esquive? On esquive. Okay.
Est-ce que c'est l'intérêt de taper? C'est pas l'intérêt de taper. Ah, c'est qu'un blitz, c'est pas mal. C'est qu'un blitz, c'est pas mal. Il n'y aura pas de chemin du coup. Il n'y aura pas de chemin. On a bien tenté. Allez. On a plus de relance. Oh putain, on va se tuer. On va se tuer au JFI quoi. On va se tuer au JFI. On pense à toi. Oh là là, ça va être. Oh, ça va être tellement compliqué. Bon. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Ah, le but, c'est ça. Depuis c'est ça, depuis c'est ça. Alors bandit par là, faudrait que j'esquive en deuxième. Donc lui va devoir devenir là pour que lui esquive. Et après on tapera à 3D. On pourrait taper à 3D mais il va coller là. Non, c'est le bis en premier. C'est le bis en premier. De revenir. Est-ce que le jeu c'était qu'il lance? Ouais. Est-ce qu'il fallait le coup de revenir en premier? Bon, ça force à ramasser. Deux tours. Il y a moyen de marquer avec lui. Il y a moyen de marquer avec lui. Oh, cette souffrance! S'il marque tour 8, j'aurai un petit coup de crampon et ça, c'est déjà bien. Encore que, il faudra du monde pour faire le coup de crampon. La bretonienne est 8 en armure, je les sens bien passer quand même. Je les sens bien passer. Deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça va se jouer là. Ça va se jouer là. Ça va pas blitzer. Ça va pas blitzer. Ouh, ça va pas blitzer. Ouh, ça va pas blitzer. Allez, c'est le surf. Allez, bisous. Ça commence à faire beaucoup là. Ah, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Oh punaise. Aïe aïe aïe. Attends pour un petit crampon. Aïe aïe aïe. On me pousse à jouer nain. On me pousse à jouer nain, c'est atroce. Hein. Et on poursuit bien sûr. Ah non, je poursuis pas. T'as le sang. Okay.
ça lui fait. Ah, ça reste un paysan quand même. Ça reste un paysan, mais un paysan de qualité quand même. Un paysan de qualité. On va faire ça. Simple et élégant. Oui. Est-ce qu'on a un tour? Un tour, il peut tenter un 3D où? Un 3D nulle part. Un, deux, trois, quatre, cinq. Au cas où ce soit un Artag hyper grid. Voilà. Oh 9D, il a rien le truc. Oh punaise. Tu peux pas lutter. Bon, voyons ce qu'on peut faire à cette prémitante. Allez, Jean-Michel Crampon est arrivé. Allez, Crampon. Il va falloir de la réussite là. Bon, le one temps, je le sens pas des masses. Zéro relance. À beurre ! Il me faut quelque chose à beurre ! À boire, il me faut quelque chose à boire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Il nous reste un chevalier? Non. Je crois qu'il ne reste qu'un chevalier en plus. Oh là 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 là. La misère. La misère. Bon. La misère. Donc, il ne reste qu'un chevalier. Qu'un chevalier. Oh, qui peut aller chercher. Qui peut aller chercher Bibi. À 2D. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal.
Donc la garde. Ça fait 6. 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est possible. Coller, faire un 3D ici. Ah d'accord, il se lance une option de blitz pour les marquer en douceur. Oh la vache. C'est pas cool ça. Alors 9 en armure, 9 en armure. Donc l'idée 4, 5, 6, 7. On tape lui. Il faudrait venir là. Blitz à 2D. Quatre, cinq, six, sept. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On s'en fout. On s'en fout, vu que de toute façon il est gardé. Vu qu'il est gardé. On va les marquer en cas de glisse déjà. Okay. Je viens là. Si on va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Ici, et puis tout droit. Bon, ici, ça suffit en fait. Je viens ici, et puis tout droit. Ouais, d'accord. Hop, c'est parti. J'ai mon 2D ici et je peux en venir là pour blaster en diagonale. Donc on pourra tenter un truc un peu foufou où on essaie plutôt de ramasser la balle. Ah, on va venir ici. Ça a tapé. Ah, je peux faire un Yannel pour le retarder ici. Tac, tac, on verra bien. On verra bien. Ah, c'est vraiment de la micro-gestion, hein. Punaise. Ça peut s'écraser avec un triple crâne. De déprime quoi. Cette déprime. Oh, putain, ça. Ça veut dire qu'on fait du 1D. C'est-à-dire qu'on fait du 1D pour peut-être le cramponner quoi. Peut-être le cramponner. Et lui d'arrière. Oh. Cette misère. Voilà. On va tenter le 1D. Tenter. Envie de faire des folies, ça.
De toute façon, je vais le pousser là. Je repousse là. Et je pétine là. Ça va mal finir! Ça finit mal! Bon, ça va. Ça va. T'as beaucoup de calculs pour pas grand-chose, hein. On sort pas trop mal, on joue qu'à moins 1. On joue qu'à moins 1, on a toujours le pot de vin. Les premiers tours vont être cruciaux. Cruciaux, cruciaux, cruciaux. 3 relances. Ah la vache, mon porteur de balle, c'est mon tacleur. Ouais, c'est pas possible. On va porter le balle, porter la balle. Ah, c'est Artak qui a fait une passe. Je suis tellement ému. Ah, ça. Je pense que Myop c'est pas mal pour un porteur de balle. Si je route mon. Si je loupe mon tacle, je me fais dépop à l'extérieur. Allez, porteur de balle, c'est Myop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Ensuite. On attaque ici. On attaque le plongeon d'arrière pour me marder. On a esquive en force de ce côté. Je préfère partir par là quand même. Et lui, c'est le fragile. Il est le fragile. Ah, c'est lui fragile. Oh putain, il y a lui derrière. Ah, oh. Oh, le choix est difficile. Bam bam, bam bam. On le fout là. Je me mets là, je le fous là. Je le pétine par là. Derrière, je me fais saucer. Ouais, faut en bloquer 3 comme ça. Ah, ça manque vraiment d'effectifs. Ah, il a encore son petit gobelin. Il a encore son gobelin derrière. Ok. Ils viennent là. Ils encaissent là. Je les pousse là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh putain, j'ai tellement de faire attraper. Il faut que je le couvre. Ouais, je suis pas trop confiant. Je sens que je vais me faire piéger là. Je vais me faire piéger sur le côté. Cette saison. Tac. Tac. Et tac. Oh, c'était bizarre. Bon, c'est dommage, j'avais. Ah punaise, il s'est placé.
Ah, bien vu, bien vu. Très bien vu, très bien vu. Donc on a un bis possible à un dé. Un dé voire deux. Je repousse là. Ça libère lui. Le stream arrive comme des balles. De partir sur un but, c'est un dé là-dessus quoi. Je revis. Je revis. Je revis. Ouais, j'aurais pu coller l'autre. Ouais, j'aurais pu coller l'autre. Pas très bien joué tout ça, pas très bien joué. Fais-moi mal. La pelouse, fais-moi mal. À moins deux, on revit. On revit, on revit. Faire un 3D. Esquive en force, méfiance, plus en agité. Ça fait des esquives à 3 plus. Ouais. 1, 2, 3. On a une transmission possible. Pousse, pousse, petit vent. Mais j'aimerais bien me débarrasser de lui d'abord. Ah, j'aurais peut-être dû le coller. Après ça des blitz, puis il me collait et là c'était le début de la merde. Parfait. On va rester sur le musée. Voilà. Il veut aller où, Bibi? Il veut... Ah, il veut chercher le premier. Il va revenir en arrière, je pense. On n'est pas prêt d'avoir du bon pour piétiner, hein. Punaise, quoi! Oh là là, c'est calvaire! Les boules! Poum! Ça...
tour de la souffrance. Le tour de la souffrance, quoi. Punaise, j'ai sauvé mon tacleur, quoi. Oh la vache. Hein? 6 ogres en liberté, ça va être compliqué de remonter le terrain. Alors, va falloir patate comme un fou. Bon bah, faut retracer, on n'a pas le choix. Ah oh, punaise quoi. Oh là là. On pourra même pas. On pourra même pas. Oh. Oh, ils sont un peu cons comme des balais. On va tellement se faire défoncer. On va tellement se faire défoncer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a moyen de faire un dé. Il y a moyen de faire un dé. Ça pourrait libérer lui avec de la chance. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Il ferait le libérer avec vraiment beaucoup de bol. Oh là, ça va être tellement dur. Tellement dur. Oh le va tout. Se faire attraper. On va tellement se faire attraper. Pff, tu crois. Bon. Ah la vache, salut Morphée. Oh la vache. Cette équipe, elle a une peur paralysante. Une peur paralysante. Quoi. Jeu d'armure à 12 quand même. C'est pas faux. Allez, roule-moi dessus. Ah là j'étais obligé de double patate en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Double patate pour essayer de m'en sortir. Trop de possibilités de 1. On peut encore y arriver. Il tombe et meurt, ouais. Ah ouais mais là... Là ça veut pas, ça veut pas. Après le joueur ogre s'applique beaucoup. Il avait mal fermé sa cage mais 9 dés n'ont pas suffi. Donc Donc là avec 6 ogres pour adorer jouer les ogres. Ah oui tacle. Ça va tenter le 3D. La vache, c'est presque des tours d'agité pour aller marquer la balle. Ah, peut-être pas lui tenter de frapper. Peut-être plus jouer différemment. Non, moi je ferais plutôt comme ça. Bon, on s'en fout, il va le tuer, on s'en fout. Schtroum.
Ça sent la grosse sapinette là. Ça sent la grosse sapinette. Alors, 2 dés rouges, solitaire sans blocage, pour aller ramasser la balle à 5+, pour une faire une passe à lui, qui s'enfuit. Il y a une possibilité encore, mais elle va bientôt se fermer. Ça va. On a plus d'apothicaire, on tape sur un dé avec 7 en armure contre Chatham. Si je me rate, il y a des grandes chances de mourir dans l'attitude de la vie. Derrière, il faut ramasser. Il y a plus oh la vache, il n'y a plus personne sur le terrain. Alors. Le plan, c'est Blitz. Passe ici. Et j'ai 4 mecs qui me rendent dedans. Oh la vache. Ou alors, on a le ramassage transmission avec double esquive et on se casse. Il y a des options. Il y a des options, mais elles sont pas évidentes. Esquive, ramassage, transmission, triple esquive. Derrière, est-ce qu'il faut bloquer lui? Bloquer lui. Arkin, oui. Bah là, ça sent la sapinette quand même. J'ai tellement pas envie de perdre mon. Tellement pas envie de perdre mon 4 en force. Hein. La rèche. Oh. Oh punaise. Ok. Ah oui, je l'ai vécu 8 ans en armure, c'est vrai. Ok. Bon, le plan commence. Le plan commence. Ensuite, c'est lui qui tape parce que c'est lui qui esquive. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Ok. Notre est en dé rouge. Donc, tous les 15, si je repousse, c'est plus en fait comme ça. Voilà, ça s'arrête là. Alors Morphée, je suis très motivé. J'ai que les adversaires qui, dans ma situation, ils seraient déjà en train d'arrêter de jouer. Mais ces Bretoniens, ils sont dans la souffrance. Donc, est-ce que je fais mal mon attaque? Mon attaque et ma défense? Est-ce que je joue contre une équipe qui est censée être plus solide que ça? Du coup, j'ai des pertes. Mais là, ça a pas voulu. Hein. Ça a pas voulu. C'est Bretonien depuis 3 matchs. Là, c'est 4e. Ils sont dans la souffrance constante. La parade du coup tape ici la balle rebondit là parade je ramasse je voilà 3D en 3D c'est propre Esquive à moins 2. Esquive à moins 2. Esquive à 3 plus. Et tout, c'est plus c'est petit vent. Ouais. Alors, on veut du 6-5 et des plumes. Ouais. Alors, là, il va falloir faire une morphée contre Muc. Okay. Ah, il a le 1-0. Il joue à sécurité. C'est très propre.
Ah, tac le plongeant. Tac le plongeant. Tac le plongeant, petit canaillou. Il a 1-0. Donc s'il marque un deuxième, je m'en fous. 1, 3, 4, 5. 6 pour frapper. 6, il se replace ici. 6, il se replace ici. Donc ça changera rien. Putain, on est en train de se sortir les doigts. La seconde mi-temps. Trois plus, 5 plus, 5 plus, 3, 3 plus, si je me casse. On a aussi, je tape ici à 2D, je tape ici à 2D, tac, tac. Quatre tours de relance, 4 tours. Hop, je relance, je m'en casse. Ah, punaise, le ballon est encore bien placé, quoi. Oh, putain. Qu'il y a lui qui peut ramasser aussi. Allez! Allez! L'espoir revient là! L'espoir revient! C'est bon là! J'ai mon public qui est là! Donc! Ah, il avait pas ranimé ses mecs! Oh, c'est bon ça! Oh, c'est bon ça! Alors, je peux faire un blitz à 2D. Mais j'en ai pas assez pour ramasser. Où je peux faire un blitz à 2D rouge. Je suis 2D à 2D rouge et je ramasse derrière. Oh putain! Oh, j'avais pas vu. Oh, mais en fait, on peut faire un. Oh putain, mais on peut faire un blitz magnifique en fait. On peut faire un blitz magnifique. On peut faire ça. Ah, on a pas assez. Alors. Peut venir là. Ah putain, il y a lui. Ah, petit canaillou. Petit canaillou, il y a lui. Alors, le dernier. Je tentais un 2D rouge. Je tentais un 2D rouge. Je tentais un 2D rouge. Pris. Ensuite. Voilà. Là, on peut pas lutter. On peut pas lutter là. Là, on peut pas lutter. Il faut accepter le destin. Là, je pense qu'on va descendre sur le parking, fumer une bonne cigarette
et dire que ce match n'a jamais eu lieu. Tout au mental, Morphée, tout au mental. Je pensais pas gagner, et là j'ai une fenêtre d'espoir qui est apparue. Avec toute son équipe qui a dégagé là. Il n'a plus que 4 ogres. Il reste encore 3 tours. Tout est possible. Tout est possible. Là, on part sur le jeu. Mais bonsoir Cortac. Bonsoir. Personne pour ramasser. Alors, si j'intercepte, j'ai plus de tour derrière. Faut que j'intercepte, que je le fasse tomber. Que j'aille ramasser derrière. Je fasse la passe à lui qui va marquer. Voilà, ça m'a l'air d'un plan audacieux quand même. Je sais pas. Trois relances. Plus le ramassage. Ouais, les probas commencent à s'écraser un petit peu. On a l'option violence, simple et efficace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on va partir sur l'option violence. Comme un aveu d'échec. Bouge pas, le crampon arrive. Pas bien méchant. Une relance, une relance, une relance, une relance. Il reste 3 tours. Il est là, Pils. Apex. Ça fait un peu cher payé quand même. Un peu cher payé. 3 plus de plus pour un 3 plus. Un peu cher payé. J'ai plus d'apothicaire. J'ai plus d'apothicaire. J'ai une relance. Je la sens pas. Je ne la sens pas. Voilà, c'est propre. C'est propre. Ah, si il pétine avec ce stop qui se fait sortir, au moins, il n'a pas de problème. Okay.
Ça joue très sécure. C'était un tapage. Ok. On part. Jouer les joueurs importants quand même. Ah oui, la petite relance en plus, oui, ça va manquer, oui, certainement. Ah, cette souffrance! Allez! La remontada! La remontada au prochain match! Oh là 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 là. Ah, il y en a qui ratent le match en plus. Bon, c'est pas non plus des grosses pertes. C'est pas non plus des grosses pertes. Est-ce qu'on se ferait pas une petite vanity pass pour la route? Oh oui. On a le 2 pecs sur patte ou une passe. Avec plus de la blessure. Au niveau proba, je me demande qu'est-ce qui est plus rentable. De faire une passe avec lui ou de taper un petit mec. Ah, des clients. Ah. D'ailleurs, ce serait lui qui ferait la passe. Ce serait lui qui ferait la passe. Alors. La fille va s'échapper. On revient en blitz avec lui. Crampon par-dessus. Le tour est joué. On n'est pas à l'abri de défense parfaite. Donc on va se mettre comme ça. Défense parfaite. Ouais. Au cas où il y a une défense parfaite, de toute façon il va s'échapper. On s'en bat les couilles. La défense parfaite pour prendre des gros ogres devant. Alors, celui qui voulait faire la passe.
Enfin! Enfin! Enfin un tac exploité! XP! XP, les monnaies PEX! Prévenir là. Vu des vidéos de Warhammer, ouais, je suis sur New World en ce moment. Je suis sur New World et en fait, je fais beaucoup de PvE sur New World. Et comme c'est chiant comme la pluie, je vois pas intérêt de filmer. Du coup, je mets des vidéos sur YouTube quand on fait un peu de PvP ou des trucs intéressants. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans ces moments? Je pousse. Oh là là là, on nous bride. Mais il a rien, monsieur. Regardez, il a rien. Regardez, il respire encore, monsieur. Voilà. L'homme. Ah, peut-être t'embaucher. Attends, je regarde quand même. Mormor, lui rate le match, je crois. Rate le prochain match. Ah ouais, quand même. Oh punaise. Oh la vache. Tu vas oser me lancer un snap sur moi, quoi. Tu vas oser faire ça, quoi. Il ose le faire. C'est pas passé loin. Souffrance. Alors les ogres, ils ont été assez bêtes quand même dans le match. Donc il y avait quand même un concours de circonstances pour les deux. Tac, tac. Oui, le joueur du match est level up sans le mort. Je suis tellement content. De mort. Ah, voyons quand même ce match. Pauvre équipe, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle souffre. 12 armures, 11 armures, tac tac. 56%, 18% de position de balle. Oh là là là. 6% du terrain adverse. Ah oui, c'était vraiment sur la montante du. Alors, 30 blocages à peine. 3 blessures. Ouais, sur la fin. 2 morts. 3 blessures. 45 blocages. Pas tant de blocages que ça. La châtaigne a parlé quand même. 4 sorties sur 3 blessures. Ah, sur un surf. Exact, il y a un surf.
Ça a quand même pexé, hein. De passe. Ça a quand même pexé. Armure normale, très fragile. Blessure, massage. Esquive 100%. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. C'était des 2 plus, donc avec relance, donc c'était pas beaucoup. Travail de chaos 100%. Mais il avait du banc, donc il n'aurait pas eu un gros impact. Mettre le paquet, très peu. Pas beaucoup de chance sur les sprints. Hein. Cerf-volant 81, c'est légèrement en dessous de la proba. Légèrement. Ouais, parce que je trouvais qu'ils étaient assez stupides. Ça a été obligé de se replacer, etc. Non, c'est pas ça. Ah oui, il a le blitz et tout. Bon, le blitz l'a pas servi, heureusement. Ouais, des corrects. Des corrects, sans plus, sans plus. Ça lui sert pas. Ce sac a servi. Très peu de flash. Ah oui, on l'avait vu. Eh ben, des beaux dés quand même. Des beaux dés, ça paye pas de mine. L'armure en carton pâte. Ah, même avec châtaigne, je trouve que la proba est assez violente. Mettre le paquet, non. Blessure, machin. Sortie, intrépidité non plus. Bon, intrépidité, ça restait des 5 en force, donc c'est pas évident. Réveil de chaos, ça voulait pas. Quoique si, ça a bien réussi quand même, la proba est bonne. Dépasse, c'est bon. Le pot de vin, jusqu'au bout. Esquive, ouais. Ramassage, ouais, ça va quand même. Et des dés très corrects, des dés franchement corrects. On a vu beaucoup de 1, mais finalement ils étaient concentrés dans les mauvais moments. Mais ça... Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, là je pense qu'on peut dire qu'on a un record. Hop, on va le mettre. Alors, ouais, ben là, tu te dis que en tapant un coup de 3D dans tous les sens, c'est pas terrible. C'est pas terrible ça. Ok, bon, bah voilà, le jeu s'explique là. Donc, résultat, machin. Ah oui, de dés rouges en plus. Ah ouais. Bon, ben là, voilà. Là, ça arrive des fois. Ça arrive, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il faut rester humble envers l'univers et accepter, quoi. Ah oui. Bon, mon équipe dans tout ça. Oh là là. Ah, j'ai l'impression de jouer Elfe Sylvain, quoi. Oh là là. Oh. 820. 820, quoi. Bon, là, on pourra prendre griffe, hein, c'est certain, au prochain match. Oh là 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 là. Robin. Non, je suis là-dessus. Ronin, hein. Oh. Oh. Alien, quoi. Alien au match suivant, quoi. Oh la vache. Oh non. Oh, en plus, il a esquive. Ah non, c'est des hobgoblins. Ah, mais ça va, c'est des hobgoblins. Il s'en sort bien, quoi. Ah oui, il s'en sort bien. Hobgoblin. Et j'aurais moins de TV que lui. Il va falloir compter quand même. Il va falloir compter parce que j'ai beaucoup de remplaçants. Il va falloir compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5 remplaçants. Donc j'aurai une grosse TV. 5 x 40, ça fait 200. Ça fait 1002. 1002 contre lui. 1002. Ok, enfin 1020 quoi. 1020, j'aurai une serveuse quoi.
Allez. Je vais aller remettre mes os en place et prendre un peu de nicotine. Donc, vous avez vu, les ogres, c'est fort.